à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet simple, les appellations que l'on donne facilement à notre président, et notamment celle-ci, c'est un pervers narcissique. Alors je vais vous dire, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui dénigre son entourage en se passant en victime. C'est toujours les autres qui font du mal. Il y a un décalage avec la réalité pour Macron, puisque si on regarde bien Macron, c'est plutôt un conquérant narcissique. Parce que lui, il s'en fiche des gens, il ne tient pas compte des avis, et il fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie de faire. Alors je vous donne le meilleur exemple, parce que celui-là est tout chaud, tout beau. Macron, c'est le gars qui a commencé à démanteler notre industrie nucléaire reconnue comme extraordinaire dans le monde entier, en fermant notamment Fessenheim, et c'est le même qui vient de déclarer toute honte bue qu'il fallait maintenant développer absolument le nucléaire lors de la COP28 à Dubaï. Donc on voit bien qu'il ne s'embarrasse pas. Lorsqu'il veut dire quelque chose, il le dit, peu importe s'il a dit blanc hier, noir aujourd'hui, et si demain c'est bleu, jaune, orange, ce que vous voulez, il y a plein de couleurs. Macron, c'est quelqu'un qui, par principe, fait ce qu'il veut et n'hésite pas à se contredire. On a plein d'exemples, je vous ai donné celui-là, c'était le meilleur. Alors, on dit évidemment que dans ces conditions, aussi, Macron serait à droite, il ferait une politique de droite. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même un moyen de vérification aujourd'hui qui est formidable, c'est le site elysee.fr dont j'ai déjà parlé, et qui vous donne tous les discours en vidéo ou écrit du président. Et le président, il tient un langage 100%, je dis bien 100% de gauche socialiste à la française. Vous pouvez l'écouter, je ne vais pas vous réciter ici tous ces mots, toutes ces choses, mais il tient un langage 100% socialiste. Et ça, personne ne peut le contester, sauf, comme par hasard, les médias et certains politiques qui lui servent la soupe. Parce que n'oubliez pas que les gens qui le critiquent comme ça, ils lui rendent service, ils le valorisent et ils lui donnent en quelque sorte une excuse formidable. Et surtout, il attire à lui, grâce à ça, une partie du centre et de la droite dite républicaine. Parce que l'autre droite, forcément, elle n'est pas républicaine, puisque dans la socialie, si vous n'êtes pas avec les idées de gauche, c'est que vous êtes forcément, alors, populiste, ça on le savait, ultra-droite, c'est nouveau, ça a remplacé extrême-droite, parce que ça ne voulait plus rien dire, et facho, évidemment, réactionnaire et tous les noms d'oiseaux possibles. C'est très simple, on l'a vu aussi avec l'affaire du malheureux garçon qui a été assassiné par des islamistes en France, et qu'a fait le pouvoir, qu'ont fait les médias. Ils ont cherché maintenant un bouc émissaire de l'autre côté, c'est-à-dire avec les gens qui manifestaient justement leur soutien à la victime. On le voit systématiquement. C'est leur mode de pensée, c'est leur mode de nous imposer leurs idées. Et ils le font systématiquement. Alors vous prenez quand même des cas graves, comme Mélenchon et sa bande de cloportes, si on peut dire ça, parce que dès qu'on dit un mot, c'est un gros mot. Regardez Larcher quand il dit à Mélenchon, ferme ta gueule, il n'a pas tort. On aime ou on n'aime pas Larcher, ça n'a pas d'importance. Mais il avait raison de lui dire, parce que l'autre, il pousse à la haine et au crime aussi. Je croyais que c'était puni dans notre république dite démocratie. Eh bien, pas du tout. Hein. Vous serez puni que si vous contestez cette gauche. Je vous donne un autre exemple. J'ai voulu publier un livre d'un de mes bons amis, et le titre, évidemment, correspondait à une religion. Le titre, c'était « Une religion qui n'est pas d'amour ». Bon, je vous assure, d'ailleurs je le mets en vente sur mon site, je vous assure qu'il n'y a aucun élément raciste haineux dans ce livre. Aucun, rien. Mais la société censée publier le livre a bloqué la publication pour les raisons habituelles,
c'est contraire à notre éthique ou à ce que vous voulez. Quand on leur demande, vous pouvez préciser, ils répondent invariablement, c'est contraire à notre charte de déontologie de MEDE, etc. On est bien donc dans une dictature qui se cache derrière les mots, et on est bien dans un système complètement marxiste. Mais comme les gens ne veulent pas le voir, que faire? Que faire? Je prends deux exemples. Macron, plus mauvais président de 2017 à 2022, réélu. Notre-Dame de Paris, la reine-mère, Hidalgo, qui succédait à quelqu'un qui avait coulé Paris. Delannoy, il faut le dire, parce que vu l'ardoise qu'il a laissée, il a coulé Paris, le gars. Elle est dans la poursuite de ce coulage, elle dépense plus, et elle est réélue. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour que la France se réveille? Parce qu'on en est là. Si la France ne se réveille pas, elle est foutue. Comme je le dis toujours, on est mal, on est même très mal. À ciao, à bientôt, merci.